Voilà. Bonsoir, bonsoir peuple congolais, bonsoir Nabino, place vous allez lire, place vous se trouver, bonsoir Naba O Balingara, Naba O Balingara, bonsoir Nabino, voilà. Donc je reviens encore aujourd'hui, j'ai fait une vidéo, voilà. Je ferai des vidéos et puis je ferai des directs, voilà. Donc je demande quand vous rentrez directement, comment dirais-je, partagez la vidéo. Vous partagez la vidéo, c'est très important parce que dans le système des réseaux sociaux, voilà, dans le système de réseaux sociaux, quand vous rentrez, vous partagez directement. Je suis venue avec des bonnes nouvelles, voilà, encore des analyses de Papa Anglo-Congo. Je vous demande, quand vous rentrez, vous partagez direct pour qu'on ne puisse pas signaler. Partagez la vidéo pour que ça soit propre, lisible et fluide. Donc, quand vous rentrez, partagez directement la vidéo. Excusez-moi, je vous ai ramené des bonnes nouvelles pour que vous puissiez entendre ce qui se passe dans notre pays, ce qui s'est passé dans notre pays. Vous oubliez, on vous cache des vérités. Moi, je suis venue pour vous dire les vérités. Je ne suis pas venue pour vous cacher. Vous avez besoin de la vérité. Je vous salue, vous tous, je vous salue. En tout cas, Bato Batala Kangaye, je vous salue. Binonyo surtout, na bwa kisibinote, na zana bino tous les jours. Maman Lisette a bwa kisibinote, bolimbisangande na leki en retard. C'est parce que j'enregistrais une vidéo. Voilà, donc na si, na retiens on a YouTube, bon on a YouTube, et kozala bongo. Er moko na leki direct, er moko na sali vidéo. Donc, sans plus tarder, bon partager vidéo maximum 100 personnes, ceux qui va partager vidéo. Bako signaler te bo tiaba j'aime bo tiaba j'aime bo aimer vidéo bo aimer vidéo a bo aimer vidéo oyo énormément énormément s'il vous plaît bo aimer vidéo oyo s'il vous plaît bo aimango bo aimer boza déjà 70 71 eza komata bo aimer bo aimer c'est très important d'aimer la vidéo c'est très important de partager d'aimer la vidéo. Comme ça, Facebook, au moins, on a qu'effectivement que vidéo, ils allient bien. Parce que Bango Baza, en ligne, ils sont connectés, ils sont directs là, Facebook, tout de suite là, ils sont directs. Bazo, mon a que, moi, si mon kazo ça, la vidéo, mon ko boye direct, ils a aimé, ils a pe partagé. Donc, on a 5 nabino na bolingo na nzambe. Partagez la vidéo. Na meme bino sango malamu. Bon, bonsoir ma chérie. Bonsoir ma chérie Béatrice. Boli misana les allées qui n'ont rien à boire qui hier. Na bwa ki ebuli misara na ba o yanga na bwa ki sibinote mais je salue quand même na pesi mbote mingi na Lubumbashi Lubumbashi na pesi bino mbote Lubumbashi we na pesi bino mbote en tout cas na Kolwezi je vous salue na Kolwezi 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 en tout cas na mama Maman Fifi Masuka Maman Fifi Masuka Maman Fifi Masuka je t'embrasse. Moi, ça m'a cassé, l'eau comme m'a cassé, maman Fifi. Maman Fifi, merci, 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 merci. En tout cas, vous partagez vidéo, vous partagez vidéo, vous partagez, bah, comme il y a déjà, bah, comment signaler, vous partagez, sinon, on a continué, obligé, na ça, la vidéo, na aussi la bino live t. Donc, na outi, ko ça, la vidéo, moko, na tchè, na YouTube. Ça sali na singi na bino suko bon partager bon partager bon tchaba j'aime na yele bino analyse a kitoko ya papa anglo congo na zoyo ki sabino oyo bino boyokate oyo bino boyokate donc bon partager vidéo bon tchaba j'aime maman bijou je t'embrasse très fort maman bijou je t'embrasse très fort na États-Unis kamata bisou mouin ma chérie à moi ma maman à moi kamata bisou mouin mouin papa Félix. Papa Félix Marie, Nakati à Lille, Kamata bisou mouin. Papa Pascal de Pâques, Nakati à Belgique, Kamata bisou mouin. Nasengi, maman René, en tout cas, Kamata bisou mouin. Bino Nusu, Kamata bisou mouin. Trésor, Napesi Bino Mbote, Napesi Mbote, Nakoloezi, Koloezi, Koloezi, maman Fifi, maman Fifi, maman Fifi, Kamata bisou. La gouverneure, Kamata bisou mouin. Napesi Mbote, maman Fifi, bonsoir, 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 bonsoir. Koloezi, oye, oye, la dirigée par Mama Fifi Masuka, oye, Mama Fifi, yo kaka, toponio, zanande wana Mama Fifi, kamata bizou mwen, na pesi mbote mingi, na minemwe, 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 komina minemwe, yaba kongole, komina minemwe mwe, yaba kongole, komina minemwe, yaba kongole, komina minemwe mwe, yaba kongole, boyo ki son.
Peuple congolais, peuple congolais, moto moto, tia 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 tia, lelo ya koyinda, za koyinda, za koyinda, za koyinda, bon partager vidéo, bon partager, mettez j'aime, mettez j'aime, mettez j'aime. Je vous salue vous tous, je vous salue vous tous. Évariste, bonsoir, 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 bonsoir. Je vous salue vous tous, je vous salue, je vous salue. En tout cas, David, bonsoir David, David bonsoir, Claudine bonsoir, Dominique bonsoir. Félix, le nécessaire, bonsoir. Maman Tété, bonsoir. Maman Défi, bonsoir. Gina Johnson, bonsoir. Alphonse, bonsoir. Gracia, bonsoir. Dominique, bonsoir. Ah là 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 là. Boza et Belé, Lélo. Boza et Sandra, bonsoir. Jibangu, bonsoir. Rose Wembo, bonsoir. Francine Esther, bonsoir. Josué, bonsoir. Jean-Luc, bonsoir. Espoir, bonsoir. Félix, le nécessaire. Sinatal, dans le déjà. Sinatangi, déjà. Ati Adish, Adish, bonsoir. Mado Onema, bonsoir. Agnès, bonsoir, bonsoir, bonsoir. I.R. Rishka, bonsoir, bonsoir. Ma chérie Béatrice Tchako, bonsoir ma chérie. Kissa Sambote, Kissa Sambote. Francis Esther, bonsoir, bonsoir. Félix Marie, mon vieux à moi, bonsoir, bonsoir. Papa Pascal de Pâques, bonsoir, bonsoir. Et Yako Yinda Lilo. Jeannot, bonsoir, 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 bonsoir. Makobo, bonsoir, bonsoir. Denis, Denis, bonsoir. Jenny, bonsoir. Oscar, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Lutumba, Louti, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Aris, bonsoir. Trésor, bonsoir. Ma papa Emmanuel da Silva, bonsoir. Bilonda, bonsoir. David, bonsoir. Patrick Kassongo, bonsoir. Vali, bonsoir. Samuel, bonsoir. Maman Tété, bonsoir. Gaël, bonsoir. Gérard, bonsoir. Maman Bijou, Maman Bijou, Maman Bijou, Maman Bijou. La présidente de notre groupe, Maman Bijou, aux États-Unis, bonsoir. Évariste, bonsoir. Charles, bonsoir. Denis Mijimina, bonsoir. Bonsoir. Papa Roger, Papa Roger, Papa Roger, Limisa. Hein? Papa Roger Kassamba, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Massamba, pousso, Massamba, pousso, Massamba. L'émission à Papa Roger, pardon, ok, l'emba. Nakatia, Nakatia Angleterre, bonsoir. Moi, na Elaka, bonsoir. Oui, oui, Oza, moi, na Elaka, Nzamba Ponyo, Bosembo. Papa Roger, bonsoir. Lukusa, bonsoir. Gabi, bonsoir. Hussein, bonsoir. Terry, bonsoir. Bonsoir, Terry, na Canada, bonsoir. Maman Nicole, bonsoir. Maman Nicole, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ezaya Koyinda, mettez les j'aime, mettez les j'aime, mettez les j'aime. Ezaya Koyinda, les Koyinda. Patrick Kassongo, bonsoir. Naomi Loka Kitoko. Gabi, bonsoir. Judith, bonsoir. Maman des filles, bonsoir. Loupoujette, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Adou, bonsoir, bonsoir. Kalo, bonsoir. Papa José Chris, bonsoir. Bonsoir, Papa José. Etienne Kanda, bonsoir. Léon Robois, Kabatonio, surtout. Clément Loussala, bonsoir. Bilonda Odette, bonsoir. Maman des filles, Sam Mwana, bonsoir. Papi Tumba, bonsoir. Ezaya Koyinda, les locaux. Martin, bonsoir. Ezaya Koyinda, ko, Ezaya Koyinda, Makasi. Jean-Marie Kalonji, bonsoir. Ezaya Koyinda. Feli, bonsoir. Bonsoir. Didier, bonsoir. Boli, bonsoir. Vitara, bonsoir. Bonsoir. Ezaya Koyinda. Augustin, bonsoir. Patrick, bonsoir. Honoré, bonsoir. Dis de le padre. Bonsoir. Pardon. Bolimisanga. Nabaranja Keloko. Maman Victorine, bonsoir. Papi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Djedoné Bach, bonsoir. Qui encore? Teresa, bonsoir. Géraldo, bonsoir. Joël, bonsoir. Bonsoir, Kavudama, bonsoir. Maman aimée, Kiwaka, Yokotier, Rebecca, bonsoir, Annette, bonsoir, Gabi, bonsoir, Bento, bonsoir. Bon, Tamoni, Albert, bonsoir. Namoni, tout passé dans les choses sérieuses, si n'a salué Binonio surtout. Donc, Zaya Koyinda, et si Yindi. Vidéo, nanga moko na Tindi, ezo kota siko yo na YouTube. Er moko na sali vidéo, er moko na sali. Comment je peux dire, le direct. Jean-Pierre, bonsoir. Jean-Marie, bonsoir. Barnabé, bonsoir. Où est-ce que Barnabé, ou Bakanga qui est dans ma calate par là, par hasard? Oh, bah, qui est présent, Oliam Boumate. Je présente, Oyan Ganoa. Natina, qu'on porte comme bonne. Sam, bonsoir. Jean-Marie, bonsoir, Kalonji. Bonsoir, Jean-Marie Kalonji.
Papa Emmanuel Da Silva. Bisous, 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 bisous. C'est parti. En tout cas, les lobos ont canalisé Kitoko. Maman disait que tu as un Kitoko kaka. Ah, voilà. Donc, bisous, tous les Congolais, tu as un lobo comme un bébé. Bisous, tous les Congolais. Eza la Lamouka, Eza la Katumbi. Bisous, tous les Congolais. Attaque tout, tu finis, mi, attaque tout, ça, ce qui n'est pas un Congolais. Michel Kabongo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alba, bonsoir. Rose Anne Ande, bonsoir. Lydie, bonsoir. Lydia, bonsoir plutôt. Marie-Cécile, bonsoir. Donc, vous savez comment Marie-Cécile n'est pas été au Kito. Au Kito à côté, au Kito à côté, au Kito à côté. Nzambe Nangoye, au Kito à côté. Enrique, bonsoir, bonsoir. Voilà. Maman Élégance, bonsoir. Maman Élégance, bonsoir. Dodi Chanel, bonsoir. Et Marie-Cécile au Kito. Marie-Cécile. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, ma sœur Marie-Cécile Okito, ya ya ya, pasteur Gulli, joyeux anniversaire, bravo! Au boy, coupé sa âge, nous y la yo, hein? Ah, nous amène en gars. Joël Kayeye, bonsoir. Barnabé, oh, alors, bah, qui, président, Oliam Boumate, par hasard. Non, c'est bon, nous suspect, Zéla, Zéla. Bento, bonsoir, bonsoir. Antoinette Poutou, maman Antoinette Poutou. Maman Marie-José, bonsoir, bonsoir. Fiston, bonjour. Chris Nick, aïe, aïe, Seigneur Jésus, bah, combo, en dégénine. Eh, hey, na YouTube, c'est Koti, c'est Koti, c'est Koti, c'est Koti. Boyang Manoa. Tole Kasikoyo. Emani, bonsoir, bonsoir, bonsoir. On t'aime aussi, moi aussi, je vous aime, je vous aime. C'est pour ça que je n'en passe direct, même s'il fait tard. Boyang Manoa. Karine, bonsoir. On continue à souka. Allez, c'est parti. Boyoka. Quelques brèves. À Lubumbashi, il y a l'insécurité. Bolimbisa, Mouta, n'a présenté Bino, Moutaza Koloba, Ezali, Papa Anglo-Congo. Analyse, Oyo, Ezo daté le 4 avril 2019. Voilà. Bo tchaba j'aime, bo tchaba j'aime, bo tchaba j'aime, bo partager. Bo continue qu'on partage, bo continue partager, bo tchaba j'aime. Analyse, Oyo, Ezo daté le 4 avril 2019. Tant ma kamé déjà, Iba, Ebandi, Koyinda. Bo yoka bien. Ou des quartiers de Lubumbashi, surtout des quartiers populaires. Chaque nuit, il y a des cas d'assassinat, en tout cas, pas chaque nuit, mais chaque semaine au moins. Et beaucoup de gens nous ont contactés pour nous dire que l'insécurité est croissante à Lubumbashi et que les autorités, que nous puissions lancer un appel aux autorités pour qu'ils puissent renforcer la sécurité pendant la nuit. Il y a des cas de banditisme à vol, à main armée. 2019. Alors, nous, à notre niveau, avec notre petite audience, nous lançons aussi un appel, nous nous joignons à toutes les voix qui ont déjà lancé l'appel aux autorités pour que l'ordre et la sécurité soient restaurés à Lubumbashi. Et nous avons pu contacter aussi un collaborateur proche même du chef de l'État. Nous lui avons dit ça en face, que voilà, il y a insécurité à Lubumbashi et il a promis de transmettre le message au niveau des autorités qui ont la charge de la sécurité et de l'ordre à travers le territoire national. Mais dans ce genre de choses, nous devons signaler que la collaboration, la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. La collaboration de la population, elle est très importante, et la vigilance. Hein, des gens doivent mettre en place un système d'information pour que, au moindre geste suspect, la population soit informée pendant la nuit. Les jeunes peuvent organiser des veilles hein, dans des quartiers. C'est question de dissuader
ces malfrats qui ne viennent pas déranger la quiétude des paisibles citoyens congolais, surtout des Louchois. Alors, venons-en à notre sujet du jour. La visite du président à Félix Tshisekedi aux USA l'an jeu. Cette visite a fait couler beaucoup d'encre et de salive, surtout qu'elle est la première visite du président Félix Tshisekedi depuis qu'il a été élu aux États-Unis. On comprend que cette visite fasse l'objet de beaucoup de commentaires, de beaucoup d'analyses, de beaucoup de reportages, parce que les États-Unis, disons-le clairement, c'est le pays le plus puissant pour le moment de la planète. Les États-Unis, durant le processus électoral, disons même pendant tout le processus démocratique, ils ont intervenu à plusieurs moments et plusieurs fois pour essayer d'amener le peuple congolais, avec la volonté des Congolais, à aller aux élections, chose qui a été faite. Et nous savons que les États-Unis, nous l'avons toujours dit, ont finalement reconnu la victoire du président Félix Tshisekedi, laquelle victoire était confirmée par la Cour constitutionnelle. Nous étions informés de cette visite un peu avant, je dis un peu avant. Nous savions que, et c'est pas un secret, l'ambassadeur Mike Hammer, l'ambassadeur des États-Unis en RDC, vous partagez, a parlé de ce que nous avons, ce qu'il a appelé les strategic partnership. Donc, c'est les partenariats stratégiques entre les États-Unis et la RDC. Nous avons expliqué dans le passé, en donnant même une illustration, qu'est-ce que ça veut dire. Et nous avons pris l'exemple de l'Arabie Saoudite, parce qu'il faut le dire, nous étions au courant qu'il y avait en préparation un tel partenariat stratégique et que les modèles qui étaient comme un exemple qui a inspiré les deux pays, c'est le modèle de l'Arabie Saoudite, donc le partenariat stratégique entre les USA et l'Arabie Saoudite, mais ce n'est pas à tout point de vue identique, mais en tout cas, c'est un modèle qui a inspiré les deux pays, et chaque pays ayant ses spécificités, certainement, ses partenariats, a quelque chose que l'on ne trouve pas dans le partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Mettez j'aime. Alors, finalement, ce voyage a été reporté plus d'une fois. Pendant que j'étais à Washington, d'après certaines sources crédibles, tant du côté du département d'État que dans l'entourage du chef de l'État, quelques sources diplomatiques ont pensé à ce moment-là, sur base de ces informations, que le président de la République de la RDC, M. Félix Antoine Tshisekedi, devait se rendre aux États-Unis au mois de février. Et l'occasion, c'était pendant ce qu'on appelle breakfast prayer, donc le déjeuner des prières. Et soulignons tout de suite aussi, M. Martin Fayoulou m'a dit, était aussi annoncé à ce déjeuner des prières, mais tous deux ne s'étaient plus présentés. Ensuite, il y a eu des dates qui ont été avancées. Finalement, on a parlé de moi. De mars, le mois de mars est passé, et ces choses faites aujourd'hui, le président est allé aux États-Unis après avoir pris part à la prestation des serments de son homologue sénégalais qui a été élu pour un deuxième mandat,
Son Excellence Macky Sall. Et de là, l'avion du président de la République a traversé l'océan Atlantique pour aller aux États-Unis, où il a rencontré le secrétaire d'État américain, c'est Mike Pompeo. La polémique. Bolimbisangai, mais ce qui bozo tcha j'aime te et qu'on s'arrête, nga na koka, nous a obligé na kata live. Boza 143, mais bozo tcha kaka like te. Donc il y a peu de monde qui met like. Et c'est très important, bo yo ka banalise oyo, oyo makambe wouti ko leka na 2019. Boza ki au courant te. Donc bo tcha, bo aimé vidéo, bo partager, c'est très important. Pour Facebook et mon effectivement que Boza ko aimer la vidéo, mettez les likes, Boza déjà ébélé. Ceux qui vont checker, like te ezo bégayer, naza obligé na kata live. Voilà, naza obligé na kata live, na osé la bino vidéo. Eza faut tina nga ite. Eza bande konabino moko ba Congolais bandoki. Oh, le président Félix Tshisekedi da bengi bandoki, ba montre baza ko signaler vidéo. Au lieu ba yo kama kambo ele kaki, mais baza ko zéro signaler vidéo. Iza faut tu n'anga te. Donc, naza obligé siko yo na tcha fin na live. Iza faut tu n'anga ite. Voilà. Donc, c'est à vous. Ya komona, ou botye dans 5 minutes, na monika ke zo bugué, na tcha fin na vidéo. C'est à vous de penser maintenant de mettre like. Boza ebele, boza 133, mettez like. C'est parti. Tourner surtout autour dans les réseaux sociaux, mais nous, notre sujet, c'est l'enjeu. Mais parlons-en, tournons autour du fait que le président Félix Tshisekedi, pendant son séjour, en tout cas jusqu'au moment où je vous parle, il n'a pas rencontré son homologue américain, Donald Trump, mais il a rencontré le patron de la diplomatie américaine, qui est M. Mike Pompeo. Alors, est-ce que aux États-Unis, disons-le clairement, il y a cinq types de visites. Il y a la visite d'État. Hein? Cette visite d'État, c'est le président américain qui invite un chef de l'État ou un chef du gouvernement. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'il y a des pays, hein, je prends l'exemple du Canada, vous savez, le chef d'État canadien, c'est la reine d'Angleterre, mais le chef du gouvernement, c'est le premier ministre canadien. Monsieur Trudeau, et quand il vient aux États-Unis, c'est vrai qu'il est chef du gouvernement, mais il a un statut aussi comme celui d'un chef d'État, parce que la reine d'Angleterre, c'est beaucoup plus une position d'honneur, protocolaire, que réellement un pouvoir effectif réel. Pour ce type de visite, c'est le président américain qui invite son homologue. Il y a ensuite ce qu'on appelle la visite officielle. Même pour ce type de visite, c'est toujours le président de la République qui invite. Parce qu'aux États-Unis, le président de la République, bien qu'il y ait un patron de la diplomatie, il est très impliqué dans la diplomatie américaine. Il collabore avec le ministre des Affaires étrangères, que l'on appelle là-bas secrétaire d'État. Cela est dû à la position qu'occupent les États-Unis sur la scène internationale. Dans la pratique, le président américain, il a le plus grand portefeuille en ce qui concerne les relations internationales que tous les restes des présidents du monde. C'est compte tenu des positions de leadership
qu'occupent les États-Unis, aujourd'hui, c'est un peu, je dis bien un peu concurrencé, ou bien suivi par la Chine. Cela est dû par l'influence qu'a la Chine au niveau du commerce mondial. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la visite du travail officiel. Tout ça, c'est les chefs d'État, c'est les présidents américains. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la visite de travail. Et en dernière position, il y a la visite privée. La visite privée, ce n'est pas les présidents américains qui lancent une invitation. Mais dans toutes ces visites, les départements d'État peuvent prendre l'initiative. Le président américain peut prendre, mais c'est lui qui lance officiellement l'invitation, c'est un propre protocolaire, c'est le président américain lui-même. Quand on ne connaît pas bien un peu les systèmes politiques américains, l'on croira. Bon, évidemment, il y a d'autres choses. Il y a par exemple un chef de l'État, quand il est en visite officielle, visite d'État, hein, il est logé dans ce qu'on appelle Blair House. C'est juste à côté de la Maison Blanche. Il a droit aux honneurs à l'arrivée tout comme au départ. Il a droit à un dîner à la Maison Blanche et à une conférence de presse qu'il tient avec son homologue américain. Quand nous avons observé la polémique sur les réseaux sociaux, tout est parti de la presse. Les gouvernements congolais, tout comme américains, n'ont jamais dit que le président Félix Tshisekedi, bien qu'invité par les gouvernements américains dirigés par le président de la République, par le président des États-Unis, on n'a jamais dit qu'il va rencontrer son homologue américain Donald Trump. Et il n'est pas dit que chaque première visite d'État, d'un chef d'État, nécessairement, il doit rencontrer le président Trump. Il peut même le rencontrer en marge d'un sommet. Cela s'entend, ce n'est pas une visite d'État aux États-Unis. Il peut le rencontrer, comme j'ai dit, en marge d'un sommet international ou d'une conférence. Tout comme il peut le rencontrer lors de la visite du chef d'État américain au pays, dans un pays donné, s'il y a un événement de grande envergure qui demande que le président américain soit là, il peut toujours les rencontrer. On peut aller aux États-Unis en tant que chef de l'État élu, la première fois ne pas rencontrer le président américain, mais à une autre occasion, on peut être invité par le président. Qu'est-ce que j'ai dit? On peut y aller en visite d'État. Hein? Donc, où vous avez des honneurs, des cérémonies officielles à l'arrivée et au départ. Et entre ces deux événements protocolaires, vous avez tout ce que j'ai dit là, les logements à Blair House, les droits dans un entretien en privé, une conférence de presse, tout ça. Et même, on peut avoir droit aux honneurs tels que les coups de feu, hein, tout ça. Mais là n'est pas notre sujet. Ça, c'est, pour nous, ça, c'est la forme. Ce n'est pas le plus important. Joseph Kabila, le prédécesseur de Félix Tshisekedi, avait fait sa première visite aux États-Unis. Il y était invité par le président Bush pour qu'il prenne part à un dîner. À un déjeuner. Donc, et par la suite, quelques années plus tard, George Bush va l'inviter à une visite officielle. Mais lors de la première visite, il s'était entretenu pendant un petit moment avec George Bush. Mais ce n'était pas pour autant une visite d'État. Hein? Et après, quelques années plus tard, il a été reçu en visite d'État aux États-Unis. Cela s'entend bien sûr aussi
de calendrier, cela s'entend, ça dépend du calendrier des deux chefs d'État, mais aussi des matières à traiter. Vous savez, nous n'avons pas encore, ça c'est un élément important, nous n'avons pas encore un gouvernement, hein, un premier ministre après les élections qui ont eu lieu dans notre pays. Le gouvernement qui est là, c'est toujours le gouvernement à Tshibala qui expédie les affaires courantes. Et donc, là où un premier ministre peut se rendre, étant donné la situation dans laquelle nous nous trouvons, avec un premier ministre qui expédie les affaires courantes, qui n'a pas été nommé par l'actuel chef de l'État, il est tout à fait normal que le président de la République lui-même s'y rende. Donc, voilà, parce que pour l'instant, qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui a la charge de l'exécutif entre ses mains, toute la charge, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau Premier ministre à la place de Tshibala. Alors, maintenant, quel était l'enjeu? Parce que c'est ça le plus important. C'est ça ce qui devrait intéresser le Congolais. Pourquoi le président est allé là-bas? Quand nous parlons de l'enjeu, il s'agit là de la somme d'intérêt, hein, entre les deux pays. Qu'est-ce que nous allons gagner, en fait, pour mettre les choses clairement? Qu'est-ce que la RDC en tant que pays va gagner? Qu'est-ce que les États-Unis vont gagner? Ça, c'est une question de fond. Ça, c'est le plus important. C'est le plus important. Quels sont les contacts que le président a pris là-bas et quel était... Mettez j'aime, mettez j'aime, mettez j'aime. En tout cas, je lance ce message na bandoki au bozo signaler vidéo boko kangate donc enti na suka même si ezo bégayer na ko lâcher rien. Je suis une pitbull, je ne lâcherai rien même si ça bug, j'irai jusqu'au bout. J'ai la niaque, je suis là pour lutter. Président Félix Tshisekedi n'a jamais lâché. Yesu masi akenda kiti na suka na kwa na ye na koke na kwa na mati na suka na ko lâcheté. Je suis là. Bino bo kima ngana zawana tokende. L'objet, hein, pour quelle raison il a pris ses contacts. Parce que dans chaque rencontre de ce niveau, vous avez quelque chose à offrir et vous avez quelque chose à recevoir de l'autre partie. Ça, c'est le plus important et nous allons essayer, dans la mesure du possible, d'analyser cette visite sous cet angle-là. Le président de la République, monsieur Félix Antoine Tshisekedi est encore en séjour aux États-Unis. Il a rencontré le secrétaire d'État et le secrétaire d'État américain s'est engagé à soutenir l'agenda des changements du président Félix Tshisekedi. Ça, c'est ce qui est noté, hein, au niveau du département d'État et au niveau de la partie RDC. Les États-Unis, par la bouche de son ministre des Affaires étrangères, s'est engagé à soutenir l'agenda de changement du président de la République de la démocratique. Qu'est-ce que j'ai dit? Président de la République, président de la République démocratique du Congo. Quel est cet agenda? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a la lutte contre la corruption. Ça, c'est le premier élément parce que le président de la République en a fait son cheval de bataille. Il y a la sécurité, donc renforcer la sécurité du Congo, donc du territoire national, hein, vous savez, à l'est, même au moment où nous parlons, il y a encore des problèmes là-bas. Ça, ce sont des priorités, hein, des priorités, des priorités que le président de la République et son et les États-Unis d'Amérique se sont mis d'accord des domaines de collaboration pour que
la lutte contre la corruption soit renforcée. Alors, d'aucuns vont se poser la question, cette lutte contre la corruption, comment est-ce que les États-Unis peuvent intervenir là-dedans? C'est intéressant là. Aujourd'hui, les réseaux mafieux ont des tentacules au-delà même des pays. Hein. Donc, vous pouvez avoir des gens qui opèrent à partir d'ici, qui sont dans la corruption, dans la mafia, mais ils font partie en fait d'une organisation qui s'étend au-delà de la RDC, jusqu'aux États-Unis, jusque dans d'autres pays et des différents continents. Alors, la lutte contre la corruption est aussi une priorité au niveau du gouvernement américain. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme s'accompagne aussi hein, de la corruption. Les Américains ont fait de la lutte contre le terrorisme une priorité. Alors, les Américains sont d'accord avec le président américain qu'il faut combattre la corruption au Congo parce qu'il faut le dire. Cette corruption est devenue endémique au Congo. Les gens n'ont plus cette culture de vivre par leur salaire parce que dans la plupart des cas, je ne dis pas dans tous les cas, dans la plupart des cas, ce sont des salaires insignifiants. Alors, depuis l'époque de Mobutu, jusqu'au moment où je vous parle, beaucoup de Congolais ne vivent pas de leur salaire comme eux, comme c'est le cas dans beaucoup de pays. Vous verrez quelqu'un qui touche 300 dollars, mais il a un train de vie dont le coût est 10 fois plus ou même 20 fois plus que son salaire. Et quand vous avez des telles réalités dans votre pays, sachez qu'il y a la corruption. Et la corruption, c'est comme un cancer. Elle s'étend malignement dans les couches de la société. Elle affaiblit l'État. La corruption handicape la sécurité de l'État parce que quand vous avez un agent d'immigration que l'on peut corrompre, j'ai appris d'une source très très sûre, un expatrié que l'on avait expulsé, c'était un opérateur économique ici, je ne vais pas citer de nom, mais beaucoup de gens connaissent cette histoire, cet expatrié occupait des sites de certaines entreprises d'État ou bien même des espaces de l'État, hein, pour y mener ses activités économiques. Et chaque fois quand il était traduit en justice, il gagnait toujours contre l'État congolais. Alors, c'était un peu trop. Finalement, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avait demandé qu'il soit expulsé. Bon, ce n'est pas parce que forcément qu'il était contre la corruption, mais tout simplement parce que d'abord, c'était devenu en tout cas trop évident que le monsieur devenait tout puissant et touchant. Deuxièmement, il y avait quelqu'un d'autre du pouvoir qui lui aussi voulait avoir cet espace-là. Alors j'ai appris d'une source très très sûre, quand je dis très très sûre, croyez-moi, que le monsieur, cet expatrié, est en train d'harceler pratiquement les cadres de l'immigration de la DGM chez nous, hein, des responsables là-bas, en les appelant pour dire il est prêt à donner même 1 million de dollars pour obtenir les visas de la RDC. Je dis, ah bon? Même 1 million de dollars. Donc, vous pouvez tous comprendre que pour ces messieurs, qu'ils puissent demander qu'il donne 1 million de dollars, vous avez l'idée combien il gagnait dans ce pays. Alors, ça c'est un élément très important. Parce que la lutte contre la corruption va permettre que l'État puisse rentrer dans ses droits, l'État puisse maximiser les recettes,
Hein, par exemple, les régies financières, vous avez le FIDA, hein, vous avez ce qu'on appelle notre administration de l'impôt, hein, et vous avez d'autres compagnies ou sociétés qui relèvent du portefeuille de l'État, qui sont, il faut les dire, très mal gérées. Hein. Alors, si la lutte contre la corruption, ça va réduire sensiblement les sorties illicites de l'argent, les détournements, les vols, et cela va rentrer dans la caisse de l'État. Vous avez appris l'affaire des droits, des recettes au niveau des compagnies de communication. J'ai encore une autre information, que les recettes de ces compagnies ont encore augmenté. Ce n'est pas encore officiel, mais là aussi, c'est une source très très sûre. D'ailleurs, les deux sources, je l'ai recoupé avec un agent, un cadre de la contribution. Excusez-moi, il y a un chat qui tente d'aboyer. Alors, ceci veut dire que ça va nous profiter, nous, mais non seulement nous. Le monde des affaires, je parle ici des vrais investisseurs, ils n'aiment pas la corruption. Moi, je connais une histoire. J'avais connecté des amis de l'église à laquelle j'appartiens. Ils étaient partis dans une conférence à Nairobi et dans leur lot, il y avait des hommes d'affaires chrétiens qui voulaient rencontrer des chrétiens africains et des hommes d'affaires africains qui sont des chrétiens. Et, je ne vais pas citer des noms, dans la délégation qui était venue du Congo, où il y avait des pasteurs, il y avait un vice-ministre. Parce qu'il priait dans l'une des églises d'un des pasteurs qui était là. Et quand il a pris langue avec des investisseurs chrétiens de ce pays-là, à la fin, il a demandé à quelqu'un, à un gars, hein, en fait, ce gars-là était parti aussi dans cette conférence parce que je l'avais connecté. Et il a dit, mais, Bango, Karamalobaka a boité. Il faut expliquer, Bango, l'avait expliqué, Bango. Et lui aussi a commis l'imprudence d'approcher de ces investisseurs chrétiens. Quand il leur a parlé, ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Nous venons investir dans votre pays. Nous allons créer de l'emploi, nous allons payer l'impôt, nous prenons les risques de venir investir dans notre pays et Rétrocommission. vous voulez, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a dit, avec ce bruit du chien, ce n'est pas professionnel, mais écoutez, j'ai fait cela parce que je me sens. J'ai senti l'obligation de le faire. Les gens ne comprennent pas pourquoi je ne fais plus de direct. Je suis dans un environnement ou dans des conditions qui ne sont pas vraiment aussi bonnes que les conditions dans lesquelles je me trouvais quand les directs étaient très, très réguliers. Mais qu'à cela ne tienne, si vous me suivez, c'est le plus important. Nous avons trouvé un partenaire qui a accepté et nous financer. Nous avons fait un état des besoins. Nous voulons que ce soit professionnel. Et je dois ajouter ici tout de suite, c'est une digression, je ne vais pas citer son nom pour ne pas l'embarrasser. Quelqu'un m'a envoyé, et j'ai béni Dieu pour lui, il m'a envoyé 235,5 euros. J'en avais vraiment besoin. Et c'était tombé à pic. J'ai prié pour cet homme-là. Même hier, j'ai prié encore pour lui. Hein? Et voilà. Alors, voilà. Mais continuons, rentrons dans ce que nous étions en train de dire. Nous étions en train d'expliquer que la corruption, hein, n'est pas bonne pour les investisseurs étrangers. Et j'étais en train là de donner un exemple. Alors, au-delà, il y a aussi
quelques secteurs qui ont été cités, évidemment, ils ont dit qu'ils vont renforcer les relations entre les deux pays. Mais il y a aussi le domaine des droits de l'homme. Il y a aussi le domaine de renforcer la sécurité. Donc, améliorer la situation de respect des droits de l'homme au Congo et renforcer la sécurité, ce sont là les questions abordées entre le président de la République et le secrétaire d'État américain, M. Pompeo. Alors, droits de l'homme, vous savez, nous sommes connus à travers le monde. Beaucoup de rapports, hein, l'atteste, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais notamment les rapports du Bureau des droits de l'homme de la MONUSCO au Congo, les organisations internationales des droits de l'homme telles que la Fédération internationale des droits de l'homme, dont le siège se trouve à Paris. Et d'ailleurs, nous avons l'avantage d'avoir un Congolais qui fait notre fierté à l'étranger, comme beaucoup d'autres, M. Paul Sapou. Qui a un poste de responsabilité dans cette organisation. Yes. Il y a Human Rights Watch, il y a Amnesty International, je n'ai pas oublié les organisations de défense des droits de l'homme du Congo, qui sont des héros parce qu'ils sont sur terrain. Il faut beaucoup de courage, je vous dis beaucoup de courage, pour dénoncer des cas de violation des droits de l'homme tout en étant au Congo. Pourquoi je l'ai dit, vous connaissez. Notre héros national, moi d'ailleurs, je demande au président de la République que M. Tchebeya soit élevé au rang, hein, des dignitaires tels que des héros, l'héros tel que Lumumba, Mosé Laurent-Désiré Kabila, tout ça, que Tchebeya, qui était un grand combattant des défenses des droits de l'homme, puisse être honoré de cette façon-là et que sa femme et ses enfants viennent, hein, soient présents les jours de cette cérémonie. C'est une façon de consoler cette femme qui a perdu son mari, ses enfants, et qui sont devenus orphelins alors qu'ils étaient encore, ils sont encore très jeunes. Hein? C'est aussi un message, ça sera un message d'encouragement pour ceux qui sont encore actifs dans le pays, hein? Que les droits de l'homme doivent être respectés. Il faut respecter la vie humaine. Il faut respecter. J'ai parlé avec des amis, j'ai dit. On doit enseigner ça à l'école primaire, dans le programme national, à partir de l'école primaire jusqu'à l'université. C'est par rapport aux besoins du pays. Quand vous allez au Congo, mais l'homme n'est pas respecté. Même votre enfant, mais il faut les respecter, parce que c'est un être humain à part entière. Et un enfant qui ne connaît pas le respect des droits, de ses droits à partir de la maison, ne respectera jamais les droits des autres. Vraiment. Quand il sera adulte. Donc ça, on doit changer, hein, cette culture de ne pas respecter les gens. Vous avez un domestique. Hein, un domestique n'est pas un esclave. C'est pas votre. Au fait, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui vient travailler. Qui vient vous rendre service et il est payé pour ça. Donc vous devez les respecter. Et un domestique a des droits, comme il a des obligations. Alors, je crois que dans ce domaine-là, nous devons aller plus loin que par rapport, hein, à ce qui s'est fait ailleurs. Il y a ce domaine-là, et apparemment, dans les 100 premiers jours du président Félix Tshisekedi, les États-Unis l'ont reconnu. Nous allons, si nous avons le temps, balancer les propos du sous-secrétaire d'État américain Tibor Nagy. Il a fait mention des progrès qui sont réalisés dans certains domaines depuis que l'actuel président est au pouvoir. Il a parlé notamment des progrès dans le domaine des respects des droits de l'homme. Vous avez des prisonniers politiques
et des prisonniers d'opinion qui ont été libérés sur décision du président de la République, c'est quelque chose de très important. Les gens ne doivent pas être arrêtés, privés de la liberté, parce qu'ils ont critiqué le président de la République. Et la question de l'État a dit, je ne suis pas Dieu, quelqu'un ne doit pas être chassé parce qu'il m'a critiqué, non. C'est un bel exemple, mais ça passe inaperçu. Mais vous voyez, dans le pays des droits de l'homme, ce n'est pas passé inaperçu. J'avais dit que le fait que le président Félix Tshisekedi a laissé Martin Fayou de faire ses meetings dans les conditions de la loi, ça contribue à améliorer l'image du pays, mais non seulement l'image du pays, de son leadership. Et aujourd'hui, aux États-Unis, c'est mentionné. Il a fait sans conséquence. Parfois même, lui et ses gens ont tenu des propos excessifs. Mais le président de la République a laissé que les meetings se tiennent, hein, sans entrave de la part de la police. La police a encadré. Ça, c'est quelque chose d'excellent. Pour autant que ça demeure, ça continue. Mais, vous voyez, nous avons nos sujets de conversation, des polémiques. Hein? Parfois, ce n'est pas des choses importantes. Nous restons souvent dans la forme. Même quand les gens parlent du secrétaire d'État, mais regardez dans la hiérarchie d'État aux États-Unis, la place qu'occupe le secrétaire d'État. Si vous ne savez pas, à la mort du président de la République aux États-Unis, le secrétaire d'État est l'un des successeurs officiels, donc l'une des personnes qui peut assumer l'intérim. Il y a d'abord le vice-président, je crois qu'il y a le président de la Cour suprême, s'il lui meurt, et puis il y a aussi le secrétaire d'État. Ça, c'est au niveau, hein, quand vous regardez la hiérarchie, mais quand vous regardez l'importance du portefeuille qu'il tient. Je vous ai dit que les États-Unis a le portefeuille le plus important concernant les relations internationales que tout autre pays du monde, à cause de leur position sur l'échiquier international. Et au-delà de cela, la chose la plus importante, ce sont là les enjeux dont nous parlons. Hein? Alors, droit de l'homme, c'est tellement important. Les gens n'ont plus la culture de défendre leurs droits en RDC. Tous ceux qui ont leur don, ils croient que c'est de la charité. Même là où ils ont des droits, hein, quand l'État dépense de l'argent, quand un gouverneur de province, hein, prend de l'argent dans le budget de la province, il fait quelques kilomètres de route, ça devient un don du gouverneur de la province. Et non, c'est pas un don. Comme le président de la République est en train de réhabiliter les réseaux routiers à travers le pays, c'est pas un don. Quand nous louons cela, ce n'est pas que nous louons l'argent qui vient de la poche des citoyens congolais, monsieur Antoine Félix Tshisekedi. Non, nous louons l'acte qu'il fait. En tant qu'homme d'État, président de la République, de prendre cet argent, les dépenser pour l'intérêt de la population. C'est ce que nous louons, c'est ce que nous encourageons. Mais nous n'applaudissons pas en disant, c'est un bienfaiteur, c'est son argent, hein, il est en train de nous faire, hein, un cadeau. Non, ce n'est pas un cadeau. C'est l'argent du contribuable congolais, mais lui, en tant que président de la République, a destiné cet argent à faire des routes, hein, à électrifier, hein, certaines villes telles que Kikwit, hein, telles que Mbujimayi. Mais nous louons cela, surtout que ça fait longtemps qu'on a vu cela. Mais c'est l'argent du peuple congolais. Et c'est ça, c'est comme ça dans tous les États. Donc,
Cela est très important parce que quand les gens ne sont pas conscients de leurs droits, c'est comme ça que la dictature s'installe facilement. Facilement, hein? Mais si tout le monde est conscient de ses droits, ça sera difficile. Au Congo, à certains endroits, quand vous réclamez trop vos droits, on dit, ah, nous allons les droits. C'est cacacaté. Mais non. Non. Évidemment, vous pouvez renoncer à votre droit. Ça doit être un acte délibéré, mais ça ne doit pas être les résultats d'une culture des gens qui n'ont plus hein, la notion de défense de leurs droits. Domaine de la sécurité. J'aimerais utiliser ici d'ailleurs le terme utilisé par un autre compatriote et confrère, Christian Moussakounou, et qui est aux États-Unis pour les comptes de. Nous ne faisons pas la publicité de sa radio Tréconnite au Congo, qui a utilisé les termes géostratégiques, un partenariat géostratégique. C'est très fort, ça. RDC est un pays qui a une position stratégique. Quand vous entendez position stratégique, c'est une position, pour simplifier les choses, qui vous donne de l'avantage. Rien que la position vous donne l'avantage pour faire face à certains défis, à certains challenges. Beaucoup plus facilement que les autres. La géostratégie, quand on dit une position géostratégique, c'est une position qui vous donne de l'avantage, hein, une position géographique qui vous donne de l'avantage sur le plan en cas d'attaque ou pour la prévention de certaines attaques, ça vous donne de l'avantage. Nous sommes au centre de l'Afrique. Nous sommes au centre de l'Afrique. Et cette position géostratégique va encore plus loin. Non seulement nous sommes au centre de l'Afrique, mais nous avons des ressources qui sont nécessaires pour la fabrication de certains types d'armes. Et ce genre de type d'armes, je vous donne un exemple. L'uranium du Congo a été utilisé pour fabriquer la première bombe atomique qui était lâchée sur le Japon. Mais quand on a lâché cette bombe, la guerre était finie. Ça donnait un avantage aux Américains. Et ça, si vous comprenez cela, vous allez comprendre que nous sommes dans une position très avantageuse. Dans beaucoup de domaines. Je l'ai dit l'autre fois, dans le cadre du trafic aérien, nous sommes au centre, beaucoup d'avions passent dans l'espace aérien et du Congo. Parce qu'aucun avion, en tout cas beaucoup d'avions, les compagnies aériennes utilisent l'espace aérien congolais pour que leur appareil atterrisse dans les pays voisins ou dans les pays qui sont voisins à notre pays, hein, des pays voisins de nos voisins. Tout ça, ce sont des droits. Chaque avion qui passe dans notre espace aérien, c'est engendre des droits sur le plan financier. Et je vous ai dit l'autre fois, même dans ce domaine-là, eh bien, écoutez, on a détourné beaucoup d'argent à RDC. Beaucoup. J'avais parlé l'autre fois de gateway hein, au niveau de la communication. Chaque appel international, je dis bien chaque appel, la RDC a un droit sur chaque appel. Chaque appel. Mais vous savez, quand il y avait eu la partition de la RDC pendant la rébellion, vous aviez une partie qui était occupée par les rebelles du MLC, l'autre c'était les RCD Goma, les RCD de Nyamwisi, les RCD de, je ne sais pas, de Lumbala, hein, tout ça et d'autres groupes armés. À un moment donné, pour faire un appel au Congo à l'est du pays, on utilisait les codes du Rwanda. C'est-à-dire que chaque appel international au niveau de l'Est du pays, quand on appelait l'Est du pays, l'argent allait dans le compte du Rwanda. Vous voyez? Et à la réunification du pays,
Ce compte est toujours resté. Cet argent va toujours pour le Rwanda, jusqu'au moment où je vous parle. J'ai même rencontré un professeur d'université, il y a de cela 2 semaines, qui est du domaine. Il a même écrit un livre. Je lui ai donné cette information. Il m'a confirmé ça. J'ai parlé avec quelqu'un qui est dans le domaine, un autre technicien ingénieur, qui m'a dit, mais la RDC rate beaucoup d'argent avec cela. Donc, la sécurité, hein, de la RDC, elle est très capitale dans la mesure où la sécurité de beaucoup de pays en dépend. Je vous donne un exemple. J'étais en train de publier beaucoup d'articles au propos de la tension qui existe entre le Rwanda et l'Ouganda. Beaucoup de gens ne comprenaient pas. Ah, bah, les talibans, ça t'a coûté la banque. Hein? Mais non, ce sont les pays voisins de la RDC. Au niveau des États, ce qui se passe chez ton voisin, ça t'intéresse. Vous avez le droit de savoir ce qui se passe chez ton voisin. Parce que si ça ne va pas chez les voisins, votre pays peut être déstabilisé. Voilà. Dieu merci, comme nous l'avions souhaité, le président Félix Tshisekedi s'est rendu à Kampala, au Rwanda, et il a dit que la RDC était prête à offrir ses bons offices pour que cette question soit résolue. D'autant plus que il y a des mouvements migratoires très importants entre la RDC et ces 2 pays. Vous avez vu comment le Rwanda fait? Juste la tension, juste des soupçons qu'il y a quelques rebelles, hein, qui sont en Ouganda. Le Rwanda a fermé la frontière. Même les étudiants rwandais qui étudient en Ouganda ne sont pas autorisés à y aller. Des véhicules qui étaient au poste frontalier du côté du Rwanda, qui faisait des formalités pour entrer dans les territoires ougandais, ont été stoppés net avec des marchandises. Aujourd'hui, beaucoup d'experts, il y a eu un travail d'experts des Nations Unies et puis beaucoup d'experts et d'analystes disent que cette guerre du Rwanda et de l'Ouganda, enfin, cette tension qui pourrait conduire à la guerre, risque d'entraîner la RDC dans cette guerre. Nous n'avons pas besoin de ça, nous. Nous avons perdu beaucoup de gens. Et en passant, le président Félix Tshisekedi a été félicité pour avoir normalisé les relations avec le Rwanda et l'Ouganda. Et ça, c'était notre sujet de controverse. C'est vrai que ça chatouille les sentiments nationalistes, étant donné ce que le Rwanda et l'Ouganda ont fait chez nous. Mais j'ai toujours dit, faisons très attention. L'Ouganda et le Rwanda ne sont pas les seuls responsables de plus de 6 millions de Congolais. Il y a des fils de ces pays qui ont pris des armes, qui ont occupé des espaces et qui exploitaient des minerais et qui les font jusqu'aujourd'hui. Tous les groupes armés ne sont pas à la solde du Rwanda et de l'Ouganda. Il y en a, mais il y en a d'autres qui sont, en fait, des groupes armés dont les activités profitent à des gens qui ont des postes de responsabilité à Kinshasa dans des provinces. Même à Mbongo. D'autres sont même dans l'opposition aujourd'hui. C'est très facile de charger l'Ouganda et le Rwanda, mais on doit aussi se rendre compte. Et dans certains cas, ces pays ont été contactés par des fils de pays qui sont allés demander de l'aide, hein, militaire, pour qu'ils viennent faire la rébellion. Ils n'ont jamais révélé les accords qu'ils ont signés avec ces pays-là. Vous prenez l'AFDEL, par exemple. C'était quoi? L'AFDEL avait un deal avec le Rwanda et l'Ouganda. Monsieur Laurent Désiré Kabila, paix à son âme. Donc, quand on fait l'analyse, on ne se limite pas à dire seulement le Rwanda. Je ne suis pas en train de blanchir l'Ouganda et le Rwanda. Mais je suis en train de dire qu'il y a une responsabilité
des fils et des filles de ces pays. On ne peut pas les nier. C'est là où c'est délicat, quand vous allez prendre du contact à l'extérieur. Vous, vous êtes le fils du pays, vous êtes peut-être de bonne foi, mais l'État qui vous donne des moyens là, pour commencer une rébellion, vous ne connaissez pas les vraies intentions de cet État. C'est ça. C'est ça. Vous ne connaissez pas. Cet État a un agenda dont vous n'avez pas la maîtrise. Alors, il a été félicité dans ce sens-là. Mais, en fait, c'est quoi? Notre pays, si les gens ne comprennent pas, les Américains aujourd'hui, ils ont un tel langage. Ce n'est pas parce qu'ils aiment notre pays. Il y a d'abord un concours de circonstances. Le fait que, par exemple, la Chine s'est beaucoup investie en Afrique, les Européens et les Américains en sont mécontents. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. John Bolton l'a dit. Et d'ailleurs, c'est l'une des personnalités, d'après mes sources, que le président de la République va rencontrer. C'est le conseiller spécial de M. Donald Trump. Il avait étalé clairement la stratégie des États-Unis concernant l'Afrique. Donc, il y a une guerre de puissance qui nous profite. Et qui nous profiterait plus si nos autorités comprennent que nous pouvons tirer profit de cette situation. Apparemment, et d'ailleurs d'après M. Jean-Paul Prouvaire-Saka, qui est un expert en aéronautique et puis en aviation, homme d'affaires en même temps, qui est au fait de beaucoup de choses, il m'a dit, apparemment le président de la République comprend les enjeux du moment. Et que Dieu fasse qu'il comprenne davantage pour positionner notre pays. Moi, je suis chrétien. La Bible parle que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas vous donner quelque chose, mais il crée un concours de circonstances autour de vous et vous en profitez. C'est ça le cas pour notre pays. Tout à fait. Qu'on le veuille ou pas, si les choses vont à cette allure, le Rwanda, l'Ouganda et tous les autres pays, parce qu'entre les États, ce qui compte, ce sont les rapports de force, écoutez, ils seront derrière nous. Nous serons en train, nous, d'imposer les rythmes dans la sous-région. Amen. Béton. Le seul pays que nous avons à craindre, c'est l'Angola. C'est l'Angola. Ici, j'ai fait l'analyse stricte. Parce que quand vous êtes faible, vous êtes en train de monter, c'est le plus fort qui peut vous faire des problèmes. C'est l'Angola parce que c'est la seule puissance dans la sous-région, hein, sur le plan militaire. Et la RDC, avec tout ce que nous avons comme ressources, avec ces partenariats stratégiques dont je vous ai un peu expliqué les détails une fois, les Américains feront de telle sorte, bien sûr avec notre volonté, que notre armée soit une armée forte, une armée qui dissuade ses ennemis. Donc c'est une grande opportunité pour notre pays et je crois que le président de la République et son entourage auront toujours cela dans l'esprit pour faire profiter à notre pays de cette nouvelle donne internationale et les rôles que nous pouvons jouer sur l'échiquier international. Merci. Alors, je me limite là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de secteurs. Nous aurons, je crois, ce pays aura beaucoup de partenariats stratégiques avec d'autres pays selon les intérêts des uns et des autres. Le président, moi j'ai à cœur, par exemple, la situation des enfants. Quand vous allez au Congo, mais regardez la situation des enfants, et c'est désespéré, ça va venir de demain. Le président de la République peut venir deux fois. Vous voulez vous en la situation des enfants.
Wana eza Anglo-Congo. Je suis en train de prier Dieu que ça ne soit pas un vœu pieux. Qu'on ne rentre pas dans des grands discours qui ne sont suivis d'aucune action concrète, qui à la fin, on n'a pas de preuves hein, de l'amélioration des situations des gens. Je suis en train de prier que cette année continue et qu'il s'améliore même. Parce que les 100 jours, en tout cas, on est en train de voir ce qui s'est fait. Hein? Je me dis que les 100 jours, ce qui s'est fait pendant les 100 jours, s'efface tout le mandat du président de la République. Pas pour sa gloire à lui, mais pour l'avantage, pour le bienfait du peuple. Quand nous regardons les choses sous cet angle-là, je crois que le pays avancera. Alors, je termine par là. Je ne pensais pas parler si longtemps. Je vais prendre quelques questions. Écoutez, je suis en train de travailler dans des conditions très compliquées. Ma batterie, ma charge, maintenant c'est 31%. Donc, si je ne réponds pas à certaines questions, ce n'est pas grave. Quand nous serons dans les bonnes conditions, nous allons faire, d'ailleurs c'est dans les jours à venir, Dieu voulant, nous allons essayer de satisfaire tout le monde. Allez, est-ce qu'il y a... Voilà, l'analyse de Papa Anglo-Congo est terminée pour aujourd'hui. Donc, c'était des questions. Bonsoir, Maman Donna. Bonsoir, Maman Donna. Bonsoir, ma maman. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu t'es rétabli. Voilà, l'analyse de Papa Anglo-Congo. Je reviendrai demain. Donc, on a beaucoup tout la bino. Bah, analyse. Moko na tango, en après-midi. Moko na pokwa. Boko mona. Oyo. Analyse Oyo, ça date du 4 avril 2019. À l'Obiboué. Donc, analyse Oyo, ils ont daté du 4 avril 2019. Bon, Monique, à sa mona qui déjà en jeu au Ekolika. Donc, Bisso, nous avons la puissance dans la sous-région. Et puis, Rwanda, na Ouganda, nous avons la simana Bisso. Bon, Monique, que Ouganda, à rejoindre Bissau. Comment je peux dire Rwanda a rejoindre Bissau à travers son ambassadeur. Urega, Soki, Uraga, Soki, Irega, Soki, Urugu, Soki. Oui, mais bref, à travers son ambassadeur, voilà, que... Bah, après, bah, rejoindre Bissot pour bah, éradiquer les Adef Nalou. L'assassin revient toujours sur son lieu de crime. Donc, mon de bazana, bango bo ba Adef Nalou, bango bo ba djihadiste, bango bo ko bazwa ko aider Bissot pour ba bo ma batou na bango. Mon de Bissot tout ça zoba. Parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont plus le choix. Que ndenge bazawana, ceux qui va rejoindre Bissoté, en tout cas, collaboration bilatérale na bango. Ok, lelo. Biso lelo Congo et matike. Ba Rwanda ba yako sa na Congo. Ils ont la difficile. Bon, bref. Tozo pacifié Est. Tozo pacifié Est. Lelo. Bakangi. Lelo bakangi. Ba FARDC. Oye ba collaboraka. Na ba ADF Nalou. Les FARDC qui collaborent avec les ADF Nalou, Bakangi, Bango, Lelo. Pourquoi? Parce que il y a eu, il y a deux jours, on a arrêté un de leurs complices qui venait de Kinshasa pour ravitailler ADF Nalou. Il y a un tabimisi secret. Que un tel n'a qu'à la FARDC aza impliqué dans ma kamaba ADF Nalou. Oyo ba kiti na ba généraux o ba kiti na Kinshasa kuna bango mutu baza impliqué bazo kanga moko na moko ba preuve c'est monani bande kuna ngai lelo na walikali na Ituri ba calme et komi kokota bozo kasute o ba bomi boy o ba égorger boy o ba ego ezo le kasusute bande kuna nga ce qui s'est passé hier que ba policier ba kofi eza inacceptable. Eza de koki ko accepta moté. 60, na lobi bien, je mâche mes mots. 60% yaba musulmans, au bazan na katcha RDC, sont pas des Congolais.
baza ba congolais te. Toko fouye mosquée par mosquée. Na sali vidéo moko, bolandia moti, na efasango, parce que vidéo wana ezo destiné na Facebook te, e destiné na YouTube. Donc, bo kende, bo ta la vidéo wana na YouTube, soki bon gibo mo nango, bo ke na YouTube bo mo nyango. Na Facebook, bo mo na moti. Mais na YouTube, bo mo na. Soki bo téléchargeant, bo téléchargeant, mais bo mo na vidéo wana, e ko salabonga partir à lilo. Ba vidéo moussousou, na ko lekisa moti. Ba direct, eza tout le temps te. Mais par contre, ba vidéo, eza ko kota, na YouTube. C'est ça ma décision. Vous voulez signaler ma vidéo tout le temps. Vous voulez signaler ma direct nanga. Eh ben, vous voulez ma vidéo mini na YouTube. Ndeko. Ndeko. Vous ne savez rien. Vous voulez signaler vidéo nanga direct nanga awa na Facebook. Mais, nous avons la vidéo. La même chose que je vais dire na direct, c'est la même chose que nous la vidéo na retour na YouTube. Mais si tu ne comprends pas, na YouTube, je suis plus suivi encore. Et puis, batou bakouya pour s'abonner encore. En plus, je suis blindé aussi. Ba blindé chaîne nangaï. Moi, au signalé, exacte, ikel even. Au moment où yangi noa, au tigali mounoko poleli. Benga, je suis ndoki. Benga, le sou, je suis ndoki. Benga, le sou, je suis ndoki. Donc, le quoi, na le bousan ndoki na fingio. Ta la bousangi li kamaroloba. Walikali, eza pacifié. Batou bala likan, bazo kende bilanga, bazo ke osa nisala sa nabango. Bo yoki, oyo makambo présent, fe iti seke da ke ko signé. Likambo présent, fe iti seke da ke ko signé, comment aux États-Unis. Bo tou naka, partenariat, yango ya ninye, partenariat, yana ya ninye, anti-corruption, to signé pour nabango. Ba ede biso anti-corruption. Côté sécurité, côté droit humain. Parce que la plupart, bah oyo, bah zaki na pouvoir, bah zaki kobo mamande kona bango. Est-ce que bon moni ngana lobite, analyse ezo daté le 4 avril 2019, a lobi ango ke ba Congolais bah zan a respecté ya droit humain. Talandenge ba bomi ba policier na biso. Donc pour un être humain, tozo moni rien du tout. Tozo brûlé moutou. Tozo brûlé moutou na machette et outi wapi. Bouti Ramadan. Bouti Ramadan, il y a 40 jours. Bouti Ramadan. Ramadan, on a essayé que tant que vous avez Ramadan, nous avons un pambola, nous avons un sous ma yéne li sous. Yo te, yo bimi, on le bide. Dans le biais. Ramadan, yo salaki wana. Ezaki, ou baki ko prévoir na moté manona, aux yeux tali pamboti. Donc, aux yeux, on prévoir que na boma moutou, na boma. Ramadan, ça y est, le côté. Oza ko beta moutou, zo gama. Allah akba, Allah akba. Oza ndoki. Oza ndoki. Ezaki ki Ramadan te. Ba vrai musulman. Ba za ba, comment je peux dire? Ba vieux o, ba kola. Bangout ba respectaka. Coran. Bango ba respecter Coran. Qui vrai musulman zaka soufouté. Bon, qui vrai musulman zaka soufouté. Bon, il y a ka cochon. Bon, mais la masanga. Bon, là, on va filmaka. Bon, kosi. Après, bon, il y a ce qu'on va m'en dire qu'on s'ambila. Bon, kosi. Bon, kosi. 60% il y a ba musulman ou bazana katia RDC. Bazali ba congolais. Ba yeko ya ba koti. Règlement de compte la baroba bandit ce ça là. Jeannette Kabila zana sima. Bande konangaye. Est-ce que boye biki ne présent fait tisekedi a ti état de siège? Boye biki ezo ko bebi sa misale belé. Misale belé. Obi batou mingi ba okota chômage. Batou mingi ba kokota chômage. Yango bo moni. Cardinal Ambongwa Kondi. Cardinal Ambongwa Kondi abandi ko bima misi sa pombo zo kota soufouté. Moye a revi a comment tu veux asa ba virement, moye asa ba virement exacté na ba copine nae. Cardinal Ambongo mon bana maman Marie na bikoro, je te salue. Cardinal Ambongo yonde ngozana na retrouver copine na yo. Na retrouver copine no maman nda ya Clémentine Azarana, Azarana ni na Belgique, ancienne copine na yo. Bobimaka. Papa,
dans la nouvelle, sur une aussi, à ben sol, à qui ne peut démentir. A que le code démentir, cardinal Ambongo, au botina yete, au botana maman Marie la Biko. A dit cardinal Ambongo, 5 ans, ana sima. Ana sima, na makambo, oyo, oyo, soki, imam na bango, bazoni na bataille na 5 ans. Cardinal Ambongo, ana sima, sima, sa kotika kombate. Na ma ebisibino ke cardinal Ambongo a tiki. Cardinal Ambongo, Jeannette Kabila, batape père de bangi ba exploité, nini comment je peux dire, makambo oyo ba musulman. Parce que ba musulman de baza ba misouche ba kiti, comment je peux dire, sud kivu, nord kivu, ba yena ki sasa o, ba bitou banda kosiko, to banda sko guerre ya religion. Entre musulman na musulman, to sanga sko to banda bitumba. Tango ba royoka, ba musulman moussous, ba mboka moussous, ba komi sko ko, eh, ko sa ba manifestation, o koune na Congo, ba zo bimou bouma musulman, guerre, ba yma sa la guerre ya religion, to lingite, to koui tout fango. Cardinal Ambongo n'a utilisé pas, il dit que ce bâtiment malonda, il dit que, bah, remarquez, ça n'a pas été utilisé, il a utilisé par les musulmans. Pour bêter à côté, tout est tout fango. Cardinal Ambongo, ça m'a été ma mabe. N'a pas eu la yo na vidéo, mon soussou, Cardinal Ambongo. N'a pas taillé yo. Lettre na yo na tindiango, na tindiango, comment dirais-je? Bonjour, maman Régine. Na tindiango et papa François. Lettre au na komeli la komeli du papa yo na tina le papa François ba si ba zion déjà et si ba frère on déjà ba ken en haut cardinal Ambongo po yebi ke non na komeli pape pape François na bisi ke non de ozana oza impliqué na be école fictive 600 de école coloniale na bisi pape François ozando ki en plus au bota o ben na bien. Na ebisi binu ke cardinal Ambongo za vierge. Na ebisi binu. Na lo bien. Ozupe lo boko, ozu o pambo li mama, o tie malédiction, pa mwana batu. Mwana batu, soka zo li bala, ta, eza difisi si ko pa bala. Ponde nga la façon ke cardinal Ambongo azo, azo bene, na zo bene. Ojo ka si ko, ta la bota si ko misu nega tali mwana, na tali misu. Ah, petit oza jeune. Ah, petit oyo. Limbi sanga kapon na latin zambala. Cardinal Ambongo yo soki mama Marie da biko mwa la mouke. Obo ti si eba na Saint Cardinal Ambongo. Oyo kata sonite. Omo ndi mwanda o kaouki. Po ebi ke kuna ba pacifié déjà. Ba pacifié déjà Cardinal Ambongo ko ti kayote. Na tuni Cardinal Ambongo. Po anine abenso la zaku vanda. Parce que bo yebi ke ba wouti ko kanga prêtre moko. Kote ya Kisangani. Bakanga Kimi na Mbongo. A Kimi na Mbongo. Talanga na olukise. Na olukise pa dignité. Cardinal Ambongo. Boko, boko mi komonana. Mamanda ya Clémentine. Je te salue na Belgique. Cardinal Ambongo. Te mama be. Ndenga na hebsi mo. Te mama be. Na lobi ya. Abensole. Yo abensole. Photo yo kanga ki photo na na bana balobi o bania so eza bania sino te za bana na yo e abana no na bama na mama 5 5 mama oboti moko oboti mi bale oboti mi sato ba o ba département nyo so tout ya kacha Paris awa o kena na bama sœur po même ti na Poitiers moi na benso la zali awa na Poitiers awa ngasi na longwa ki deja ville o na bana ki ko vanda Poitiers ville on a pour naza suko na Nice eh naza suko na Nice da déménager na commune na Nice et on a décor échangé changer sous bien 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 na commune na Nice mboko na banaki ko kene na banaki ko vanda ndeko ya kamere ka ningi ningi eh suma bika ningi ningi mine sala nga passe pardon kamere ka ningi Kamere, voilà. Nani, komone nani, oh nani, abensoli, mwana na ye moko, na mama moko, azali awa. Mwana abensoli, azali awa, na mama moko, na sina mwana mwana na centre-ville ya Poitiers. Na centre-ville ya Poitiers,
à Bensouli, moko azan na département 86, moko azan na département 95, moko azan na département 94, moko azan na département 91, moko azan na département 92. Bana 5 à Bensouli, n'ingoza. Bana basi na bana basi. Boko kosa manel, boko sin, yo kas posa la vie. Na ko bimisa, na etel. Bomi, bozo me tuna, negeni mama lizeta yebi. Na yebi! Yo, à Bensouli. Ba ninga y koz, ou ba tchan l'évêque te. Ou ninga koza l'évêque, ba boya koza l'évêque. Ba boya koza l'évêque, mi pourquoi? Parce que l'ongo la ki moi si mo koze, mi nanza na kombo na ye. Nana kombo na o ba boyi obi ke mwasi wana ba longoli zemiko na moyi na tawa zo bi se bino ke nazana dossier ko ba lobi na mama li zeti doze ko bimisa sikote nazana dossier mwasi wana zui contact na ngai abensole bilia ki yo bi ko ki lelo mama papa bilia ki yo bi ko ki ta na ba photo jour o baba ki ko longo baba ko kanga ba photo. Moi si on a quand azana ba preuve que nenga bento la ba ki ko ya nenga ba ova na bento le ndenge ba ba ki ko kende donc nazana moi si on a lobi ke mama li zete yinda parce que ba sali ma bena kacha mboka donc a bento le soka zo lo ba te pa ebi ke moi si on a le ka live voilà ko azui ba preuve bon si ko tala ndenge na trouver sikoyo copine ya a cardinal Ambongo tanga bakui ko sa ba séminaire ne kuna na Vatican na ebi ndeni ni komone ndaye komone ndaye ya Clémentine na ebi ndeni na ebi ndeni mama Lizette azan be espion de China Vatican kuna moka sini na baki ko shi ba isi na tuni tuni ba sœur encore ba sœur mingi pe ba dinga sou cardinal Ambongo te ba préférer mo sengu maka Ambongo zo sala bo sengu nga la sepe na tata ko mo sengu sala mabe mais au cardinal zo sengu a sala bo mo sengu a zo bo ma petit feu so ki bo moni sou mo sengu te za cardinal Ambongo ba zo bo ma petit feu fe fe mo ke mo ke mo ke même mabe a sala mo sengu a zo mérité au cardinal Ambongo a zo sala ke mo yibi ya ke na bimi na basa tika bimi na ba sœur ba tonda ma soeur va tomber belé. Cardinal Ambongo, mon belle maman Marina Biko, je te salue. Tata bana sainte, mouyibi mouivi. Nous en a, au tika moua sabat na Biko. A se débrouiller, c'est ma soeur, ça la rapace parce que c'est ma soeur Mungala. Yo a Mungala, t'es toi adopté ou adopté. Maman nous en a, maman nous en a, la qui s'abisso, famille à maman a eu. La qui s'abissou. Ah, cardinal, cardinal, cardinal assassin. Cardinal azo prouvé la haine, azo prôné la haine. Cardinal a salaka prière te. Ata papa pa lobi ke ata église catholique, il faut bosser la prière. Ata jour mon kota se kati ko sa la prière. Oto sa la prière pour to lever mon kondina biso prière pour la présidente de la République. Prière pour la FARDC. Cardinal Ambongati ko sa ta prière te. Ya bimarakaka, abimara lo bakar. Eh, ye karamusa ne ko critiquer président Félix c'est ko critiquer. Le loza coincé. Toko kende justice. Na ko sa le t-shirt Cardinal Ambongo mo bala maman Marina Biko. Na ko sa le ya. Pour moi, Cardinal Ambongo, n'a pas salé à yon t-shirt pour yon nous allons kouta. Nous en a ton pied, mon pied. Tu es au tic à président Félix Tshisekedi, mais surtout au tiki. Ce qu'au tiki président Félix Tshisekedi, mais surtout au zala, on a tinati. Yo, tu te rouilles mon nom que moi, c'est craca. On a tout tiki. Ça y est, que tu es au kéné, là, on t'y la soka. Ben, n'est-ce qu'on a eu? N'a le bien? Yayo Katumbi, Muninga yé na Lubumbashi. Yo, tout la mouisi azaza. Oh, a voyage. Yo, comme a raison batou. Oh, a voyage. Oh, a zaki na kisasa. Oh, a zala ki boue. Ah! Eh, eh, eh. Président Félix Tshisekedi da roya. Akimi. Katumbi, moussala na ye. Ba investisseur soki ba ye. Oye ba kitana na njili. Bazo kitana Lubumbashi. Ba yapa na ye. Ba signera contrat na ye. Ba contrat wana o ba signé président Félix Tshisekedi ba annulé en combat Katumbi ezaki na 4 combat Jeannette ezaki na 4 combat Joyeuse ezaki na 4 combat Kabila ezaki na 4 ba annulé en Ambongo yo kenda ki katanga ko sani
carré minier na oba pesa kio. O mani na za na na kanda na mbongo. Parce que ça na carré minier. Oli poko kenoko okene katanga. Okene ko zo carré minier kuna na mbongo. Parce que o moni ke na est wana président Félix Tshisekedi sa kanga ba carré minier ya 5 ans, a kanga ba carré minier ya catholique. Mibi. Yango kene ko kenon négocié na katumba ba peso mo ba carré minier na o ele sa ko tous les jours mbongo. Yo nde mo za na ko to tombo la nzambala na yo. Toko tombo la nzambala na yo. Total a yo bien. Tala, moi li boko wana ke ma, eza malheur. Soka chi yo. Keba, parce que za li boko amu yibi. A li boko amu yibi. Bande konangayi. Katumba kimi président Félix Tshisekedi. Oh, Katumba salaka plein. Katumba salaka plein. Mais lelo, tu président Félix Tshisekedi da tangi ba mou noko. Mama Fifi, Masuka, je te salue, mama. Je te salue, mama Fifi. Gouverneur à Elonga. Nazana simana yo, mama nga. Nana simana yo, mama nga. En tout cas, na kamacho bisou. Kamata bisou, mama Fifi. Je te salue, mama bisou. Bande konangai. Boke ne kota la vidéo kuna. Na suki awa. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Lobi na koyana eloko mousousou e koyinda. Hé! Tala, nazo kena bino malembe, malembe. Cardinal Ambongo, je te salue. Mouyibi, mouyivi. Kola pambo la bino, a pambo la pe la RDC, a pambo la pe président Félix Tshisekedi. En tout cas, tous en a FARDC, eloko ya makasi. Kende to simba FARDC na sima sima. Tous en a bino, je vous love. En tout cas, na lingi bino mingi. Ata bo signale na ko zonga. Cardinal Ambongo na ko yali sous mouyivi.